c'est Holy Banana Boy et on se retrouve pour l'épisode 2 de Assassin's Creed Pirate. C'est parti, l'épisode 2. On va zoomer comme ça. Oh, il y a un coup. Donc j'espère que vous avez aimé la première vidéo que j'ai fait. Elle a duré à peu près 22 minutes. 22 minutes, 22 pour être plus exact. Parce que moi je regarde mes vidéos. Je viens juste de la regarder au moment où on se parle. Je viens juste de la regarder sur YouTube. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre le petit like. Ouais. À partager, oui. Partager s'il vous plaît. Que je me fasse plus connaître. Parce que là, dire que Jésus sait s'abonner. Pour moi, c'est correct. J'accepte, mais ce serait le fun d'en avoir plus. Ça serait vraiment fun. Je pourrais sûrement faire des lives bientôt, mais genre quand mon beau-père va retrouver la webcam. Donc, pas tout de suite. J'espère que vous aimez cette petite série qu'on va faire. Mon objectif dans cette vidéo-là, ben, ce serait buter au moins deux boss. Dans la série, là, ce serait buter au moins deux boss. Parce que le premier boss, on pourra le démonter facilement. Yes, une carte trouvée. Bon, qui est juste là. Voilà. On va rechercher. Qu'on trouve, voilà. Qu'est-ce qu'on a trouvé? Une coupe mythique. Oh, il nous manque juste un truc, puis on aura 1400$. Un truc, on aura 800. Oh, et celui-là, on l'a terminé. Celui-là, c'est 2400, c'est beaucoup. 2900, on n'a rien trouvé. Ça, 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 on a attendu. Je regarde juste pour voir si on a fait un truc qui vaudrait beaucoup d'argent. Oh, fait que là, ici, 10 000$! Le what? Hey, 10 000 là, ça nous aide parce que moi j'attends 90 000$ pour m'acheter une frégate. C'est un bateau presque deux fois plus gros que le brick. Hein. Tiens, observez bien le brick. Comment il est immense. Imaginez un bateau comme deux fois plus gros que ça. Donc c'est énorme. C'est absolu. C'est juste énorme. Ouais, je sais, il y avait un coffre, mais. J'ai fait toute l'émission. Moi, j'aime mieux rester comme ça. Je trouve que ça fait plus une vie de pirate. Bon, ouais, si vous entendez des trucs, des bruits de fusil, de gun, c'est mon frère. Il joue à Call of Duty. Donc, c'est ça. Bon. Ça va être long un peu là, rechercher le bateau. On va aller faire un truc intéressant. On va essayer d'aller démonter le premier bateau. Annulé. Donc voilà. On va sur la carte. On va essayer. Et après, il faudrait qu'on ait buté l'autre boss qui est deux fois plus puissant, même quatre fois plus. Il faudra attendre d'avoir un méga gros bateau. Puis il va être habillé au max. On va attendre. Fait que ça, c'est un objectif qui est dans notre série. Fait que quand j'aurai buté le deuxième boss, je pense qu'on pourrait arrêter la série. À moins que je reçoive des commentaires de dire que vous aimez ça, puis que vous voulez que j'en fasse plus. Ça ferait vraiment plaisir. Je comprends pas là, c'est pas moi, ma caméra qui bug là, c'est le iPad. Oh, il commence à bug. Attendez, oui. Ah voilà. Donc il est ici. Oui, parce qu'ici il n'y a pas de. Il n'y a pas de boss. C'est juste une affaire de crotte. Un endroit vraiment de la crotte. Un endroit qui est vraiment de la chenoute.
Bon, ben, on va attendre, hein. Scorpion Reef. Ce défi, les rochers à côté de la vie à plus d'un marin. Il a aussi protégé plus de pirates, des tempêtes, comme de la loi. Oh oh. Mon dieu. Attends. Il a monté les escaliers ou quoi? Oh, mais non, merde. Ouf, la tête. Attention, le chien y arrive, je pense. Oh, le chien est mort. Non, le chien est mort. Oh, je sais. Ok, ça va être long, désolé. Hein. Prends ta faute, toi. Ouais. On retourne à Scorpion Reef, désolé. On a perdu du temps pour rien là. C'est chiant. Tu gênes, Reaper? Est-ce qu'il est un meilleur test? C'est sa faute qui est un. Bon, ok, on est parti, on va rentrer bientôt dedans. Allez, go! On va aller démonter le boss. On va se faire un déplacement rapide là. Check, il est ici. Le fameux boss. Oh oh, attends, il faut que je l'esquive. Moi, je t'esquive en gros. Allez! Ouais, non, je sais, on va prendre la bouteille après. Allez! Vous allez voir comment c'est résistant, Moses. Là, là, ça va être comme la survie. C'est ce que c'est encore plus extrême. In extremis. Oh oui, merci, attaque pas. Hein. Fais pas de grosse attaque, puis je suis aux anges. Oh yeah! Parce qu'on a deux parades. Ok, on va attaquer le petit. Je sais pas pourquoi je voulais attaquer le petit. C'est ça, comment c'est résistant? What the heck? Oh oui! Oh, imagine, on a trop parade! Oui! Oh là, merci, mais là, juste à cause de ça, je mourrai jamais. À moins que je me fake, puis que. Ben, que je me moffe, puis qu'il y a un de mes 6 attaques normales qui me tue. Mais sinon, là, t'es mort, boss. Hein. Sinon, t'es mort. Oh. Sinon, toi, t'es mort. Hein. T'es mort. Allez! Ok, fait qu'on a ça déjà. On a encore trop bouclier, on a encore trop parade. Oh mais là, t'es mort, merde. Quoi? Déjà? Ok, moi je... Ok, dernière tentative. Là, on y est, Paul. Allez. Deux parades. Là, on attaque juste lui. Là. Ça, la fabrique de bâtiment qu'on attend. On a mis un petit 15 au calme ou quoi. Oh, merde. Ah, ça aurait été tellement cool que j'ai une troisième parade. Ça aurait été trop cool.
Vous voyez, c'est extrêmement compliqué de les... Mais non! Ouais, lui, il veut pas que j'aille trop sur le parade, hein. Lui, il s'en bat les couilles. Ouais, il veut pas révéler le point faible, hein. Ce petit filou! Oh non. Ouf. Ouh, fait quand même une parade pour le prochain tour. Ouais, il fait quand même mal. Hein. Je l'ai déjà démonté, hein, ce boss-là. Avec ce bateau-là. Mais pas sur le même compte. J'avais déjà la frégate, comme que lui que je veux acheter, là, que je vous montrerai après. Puis un autre bateau encore plus gros, je les avais, ceux-là. Un des bateaux, lui, là, le bateau que j'avais dit niveau 10, il fallait être niveau 18, puis l'autre niveau 9, là. Mais ceux-là, je les avais. Mais c'est avec ce bateau-là que j'avais le brick, que je l'ai buté. Hein. Donc, on est capable de le refaire. Je l'ai amélioré quoi une fois le brick, lui je l'ai pas encore amélioré. Mais c'est pas tel que c'est pas une amélioration qui va changer vraiment changer quelque chose. Yes, on a trois parades. Par exemple, il est pas moi, il est même pas à moitié vie, ça c'est chiant. Ah, il veut pas révéler le point faible, hein, le petit bâtard. Désolé. Je pense que c'est ça le combat le plus ultimate de la vidéo. De la série, puis en plus c'est juste la deuxième vidéo. C'est le combat le plus ultimate. Je pense que les combats de boss, là, ben c'est sûr, là, mais les combats de boss, je pense que c'est comme les combats les plus ultimate. C'est toujours comme ça. Mais pas tout le temps, hein, ça arrive. Des fois il y a des jeux, là, parce que les combats de boss, c'est pas le plus ultimate. Au moins, il fait pas sa rage encore. Parce que maintenant, il fait une rage où ce qu'il fait pendant 3 fois de suite, là, où ce qu'il m'attaque, là, il fait des attaques spéciales. Hein. Il fait des grosses attaques. Ça, c'est sa rage. Ça m'est déjà arrivé. Pendant le combat, il a fait ça, là, mais j'avais seulement 2 boucliers ou 1. Non, c'est impossible que j'en ai juste un parce que sinon, j'aurais jamais survécu. Mais en tout cas. Mais. Je peux survivre à 2 de ses attaques spéciales. Si j'ai pas de parage, je peux survivre à 2. J'ai déjà fait le test. Bah, sans faire exprès, elle aussi. Oh, j'ai 4 parades sur 4. Hop là! Là, on est tellement bien. Oh, il y a moins que la moitié des points de vie. Allez! On va l'avoir! Il veut pas révéler de points faibles, lui! Voilà, il commence, je pense qu'il commence à faire sa rage, là. Mais c'est pas grave, j'ai de quoi tous les paris. Toutes les paris. Oh, sa vie a commencé à être dans le jaune. Oui. Après, il va se rester le petit bâtard. À la fin, coucou. Lui, il coucou, coucou. Que c'est ma blow-up. Faut toujours tuer le gros en premier. Parce que c'est lui qui fait le plus mal. Fait que l'autre, en gros, on s'en bat les couilles du petit. Désolé, petit. Mais on s'en bat les couilles de toi. Il faut faire un esquive parfaite x5 pour avoir une parade de plus. Fait que là, j'ai juste fait esquive x2. Fait qu'il me manquait encore 3 esquives de suite. Puis voilà. Je vais avoir une autre parade. Colline! C'est sûr qu'avec des points faibles, ça irait mieux. Yep là! Oh merde, il va commencer à faire sa rage. S'il fait sa rage, je vais être sur le bord de mourir.
Mais le petit il fait quand même mal. Hein. Pas qu'il fait pas mal, il fait juste moins mal. Mais il fait mal en mousse juste quand même. C'est quand même le boss. Puis, vous voyez là, il est compliqué à battre. Hein. Mais le deuxième boss, j'ai déjà essayé de le battre vu que je me disais que lui, je l'ai déjà buté. Il doit être sûrement capable de buter l'autre. Mais en vrai, je pense qu'il est comme 6 fois plus fort que celui-là, le deuxième. Hein. Fait que. Ouais. Faut que tu aies le dernier bateau niveau max hein, pour battre toutes les boss. Puis il faut vraiment que tu sois pro-player de ouf. Point faible, monsieur. Sinon, je te vais te défoncer. Même à ça, je vais te défoncer. Dans tous les cas, je te défonce. À part si je joue vraiment comme une merde, là, tout d'un coup. Merde, j'ai plus qu'une parade. Ça, c'est un peu la merde, mais tiens, je vais bientôt buter le gros, là. Puis le petit, je pense pas qu'il fait des grosses attaques. Je pense, d'après mes souvenirs, je pense que oui. Oui! Le gros est cool! Oui! Ouais, c'est parce que lui attaque vite. Allez! Il résiste le petit! Humpty Dumpty! Il est déjà moitié vie, j'ai mis une charge puis quelques boulets. Il est tellement pas résistant. Mais il est quand même résistant, mais il l'est pas trop. Donc c'est encore un prochain tour, je le bute. Check. On va faire ça de même. Ça de même. On s'en bat les couilles s'il me met des boulets au prochain tour. Parce que c'est impossible, je pense. Parce que je vais le démonter. Et voilà! Navire légendaire vaincu! Plus 20 000! Yes! Malgré le piteux état général de la marine française au tournant du 18e siècle, certains bâtiments construits durant la glorieuse période expansionniste de Louis, je sais pas trop, Curuc-Binouche, écumaient toujours les mers pour protéger les routes commerciales très lucratives menant aux Caraïbes. Construit en 1707 à Toulon, l'Amazon était un brick rapide et maniable qu'escortaient souvent des navires plus petits. Oh, faut que je batte tous les boss du jeu! Pourquoi? Pour avoir un truc, check, pour avoir le truc, le genre, le brick bizarre. Ou je sais pas en fait. Oh, attends, on a gagné 20 000 piastres. Oh, attends, 67 000. Il nous manque 23 000, Thomas, pour la frégate. Les gars, on tente-tu quelque chose? Puis on essaye juste d'aller buter le deuxième boss. Comme des connards. Oh my god, j'ai jamais vécu ça de ma vie. Bah ouais, oui, j'ai déjà vécu le butage de boss. Mais... Je sais pas pourquoi j'ai dit que j'ai jamais vécu ça de ma vie, mais en vrai, je l'ai déjà vécu. Oh, attends, maintenant, je vais me reposer le dos, là. Oh, comment ça termine? Oh. Oh. Ok. Attends. Ok, attends, je vais regarder mon frère jouer. Mais attends, je vais regarder sa séquille. Bon, ok, on va aller essayer de démonter le boss. You. Oh, c'est vrai, il était par là. Voilà. C'est un petit déplacement de merde qui vaut rien. Vous allez voir comment c'est extrêmement puissant ce boss-là comparé aux autres. Ah ouais. Il est tout seul, oui, par exemple. Mais je te dis, comme 6 fois plus fort que le boss que je viens de battre. Je me suis fait buter parce que je suis le seul qui a buté les boss. Là. Puis je suis le seul qui a essayé d'en faire. J'ai essayé de le battre, là, il m'a buté ça. Checker, là, ça, comme... Il est beau, là, mais... c'est comme c'est un bateau de l'extrême, là. Checker, là, ça. Comment il attaque vite, Asti? Faut vraiment que t'as des bons réflexes. Hein. Puis check, mais c'est comment je fais pas mal. Je fais une frappe critique. Il s'en bat les couilles. Oh non, mais si je réussis à le buter, là, je comprends pas. Si je réussis à le démonter en pleine vidéo pour la première fois de ma vie, je comprends pas.
Ouf. Quoi? Quoi, quoi, quoi? Avec deux petits boulets, il m'a enlevé comme la moitié de mes points de vie. Hein. C'est cheaté. Non! Je suis obligé bah, de faire une parade. Sinon, ils vont me défoncer. Hey, Thomas, deux boulets, ça m'a fait ça. Deux boulets, hein. Il a fou la vie, lui, hein. Bah, ouais, il est énorme. Mais il est fort en outil. Un boulet, bah, deux boulets, ça me fait hyper. C'est rapide. J'aime pas ça quand ils font ça. Je me mange un dernier boulet. Mais non, ça arrivera pas. Je vais au moins mettre le point faible. C'est cheaté, ce bateau là. Ah, il est trop cheaté. Capitaine, tu ne rejoues pas très vite. Il y a encore plein de vie. Ouais, hein. L'autre dit comme yes. L'autre dit comme yes. Oh, c'est encore seul. Yes. Je me mange le dernier boulet, je meurs. Je me mange le dernier boulet. Je meurs. À moins que ce soit un boulet chanceux. Mais merde, mes armes sont même pas rechargées. J'ai à peine le temps de recharger mes armes. Il est déjà prêt. Il est déjà prêt à combattre. J'ai à peine le temps de recharger mes armes. Et mes armes viennent juste d'être rechargées. Il est déjà prêt à combattre. What the fuck. Au moins, lui, il manque plus de points faibles. Non. Il y a moitié vie, Thomas! Eh merde! C'est trop cheaté ce bateau-là! What the fuck? Oh my god! What the fuck? On va terminer avec ce petit combat-là. Là. Oh my god, mais c'est cheaté! Je vous l'avais dit, hein, le boss-là, il est cheaté! Eh, mais je l'ai quand même mis à moitié vie! Hein. Attends-moi! Si j'avais deux fois plus de vie, ou moins trois fois plus que de vie, puis j'aurais continué de même, je l'aurais démonté. Hein. Mais j'ai juste trois barres de vie aussi en même temps. Attends, je vais utiliser de l'argent pour améliorer mon bateau, puis on va apprendre à réessayer. On va améliorer sa défense. Un petit snipe. Ok. Défense. Wouh. Fait qu'on devrait avoir plus de vie là. On devrait avoir une ou deux barres de vie de plus. On réessaye. Allez. Je pense que je vais survivre un boulet de plus. Un boulet, c'est quelque chose. Hein. Un boulet là, contre ce bateau-là, c'est quand même quelque chose. C'est quelque chose. Tain, j'ai une barre de vie de plus. Fait que c'est ça, je peux survivre un boulet de plus. On a tout esquivé la première fois. On reste concentré. Désolé si je parle pas beaucoup. Hein. Là, je veux pas parler. Hein. Je veux juste me concentrer. Oh,
enfin. Et merde. Ouais. Oh, il tombe max sa défense. Ok, là, ça c'est de la merde. Faut qu'on attende que d'avoir la frégate. Ok, bon, on va s'arrêter là. Je vous dis à tout de suite.